Pendant toute la semaine, c'est Patrice du restaurant La Cambrousse à Villers-la-Chèvre qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la troisième recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur quoi là? On est sur une recette de pâte quoi, parmesan, là, c'est, sablé un parmesan. Genre, comme un sablé breton. Avec des noisettes. Dans laquelle j'ai mis des noisettes et du parmesan. Ça va accompagner le reste de notre petite recette. Donc, c'est quoi? Un œuf? Ouais, œuf cuit à basse température. Oui. Après, on peut faire un œuf mollet, on peut faire un œuf sur le plat si on veut, suivant le degré de technique. L'idée, c'est d'avoir quand même un cœur coulant de toute façon. Ouais, voilà, un jaune coulant. Que tu accompagnes donc avec des petites pommes de terre qu'on va faire en chips, c'est ça le principe? Des mini chips de pommes de terre. Et on est sur des cèpes. Des shiitake. Ah, plutôt. Des shiitake, pardon. Ouais. Donc les shiitake, maintenant, c'est largement cultivé en France. Oui, c'est vrai. En l'occurrence, ce sont des mini shiitake. Qu'on a cuit en pickles. Ok. Hein. Toujours les pickles que j'affectionne. Donc, avec toujours un temps pour temps de vin blanc, de vinaigre, de sucre. On a rajouté du laurier, du clou. T'en mets beaucoup, disons, des... Du parmesan, là? Ben, on va en manger beaucoup. Hein. Ah oui, c'est vrai. En fait, tu fais ta mise en place. Je fais mise en place pour toute Patrice. La semaine. Donc, cette semaine, on mangera des sablés au parmesan. Tu vas les enfourner à combien, pendant combien de temps? Bah écoute, la durée, ça va être un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, tu vas surveiller. Et là, j'ai mis le four à peu près 180 degrés, 175 je crois. Et là, le petit sablé, c'est vraiment pour apporter la petite touche croustillante. Ouais, petite touche gourmande. C'est vrai que j'utilise beaucoup de... J'aime bien les fruits secs, j'aime bien le fromage, donc j'en mets pas partout, mais sur certaines recettes, ça va bien. Donc, on enfourne. C'est parti pour un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. 175 degrés. Voilà. Super. On fait quoi pendant ce temps? Alors, on a parlé des œufs tout à l'heure. On est sur les œufs à basse température. Donc là, la cuisson, elle est précise. C'est 64 degrés pendant une heure. D'accord. Donc, nous, on a des outils qui nous permettent de faire ça correctement. La ménagère, elle peut s'acheter un petit thermomètre avec le fil. Oui, toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, elle vérifie. C'est possible. Bon. Après, il y a l'œuf à la coque. Après, un œuf parfait. Oui. Tu fais un tourbillon. Enfin, voilà, il y a différentes alternatives en tout cas. C'est possible. L'idée, c'est d'avoir un cœur coulant. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est bon, c'est prêt, ça, c'est bon. Ensuite alors on va faire une mousse de champignons, donc on va toujours utiliser le siphon. Donc là on avait des cèpes, les cèpes qui ne sont pas encore de saison, mais d'une année à l'autre, on fait toujours plus de stockage. Les champignons de Paris, ça vient d'ici. Ils ont été préalablement cuits. On va les mixer avec de la crème. Ouais. Et bon, d'accord. Je mets les champignons. Ouais, vas-y, ouais. La moitié, ça va suffire. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, un peu plus finalement. Voilà. Tiens. Et pareil ça. Ouais, la moitié. Tu me dis stop. Hein. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc les champignons ont été cuisinés. Hein. Oui. Hein, donc persil, ail. Échalotes. Échalotes. Voilà. Ils sont cuisinés. On va juste mouiller. Avec de la crème. Avec de la crème. L'idée, c'est de faire une espuma de champignons, c'est ça? Ouais, une mousse de champignons. Donc là, comme c'est cuit, faut juste remonter la température. Ouais. Donc on va terminer notre espuma de champignons. On mixe, on passe au chinois, ensuite en siphon. C'est ça. Après, on fait nos chips. Hein, c'est ça. On dresse et on mange.
C'est très bon. Bah, mine de rien. Le crémeux de l'œuf, il est bien. Ouais. L'œuf comme ça avec le champignon, ça fonctionne super bien. Oui, ça se marie très, ouais, très bien. C'est très bien. Mmh. Et ce qui est sympa, c'est que le fait de l'avoir passé en siphon, on a un côté vraiment très aérien, très léger. C'est moins lourd à manger, ouais. Exactement. Et puis t'en mets moins, finalement. Hein. Mmh. Ouais. Non, c'est bon. Alors, je n'ai pas goûté, je vais goûter quand même le petit. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est effectivement, tu apportes quand même du croustillant avec tes petites chips et puis ton petit sablé. Ouais. Donc, non, c'est top, c'est une belle recette. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner avec un cabillaud. Bon, ça, c'est une recette test. Je ne l'ai jamais essayé. Donc, avec une sauce au réfort, donc qui va être réalisée simplement. Mais on va accompagner d'un petit condiment à base de poire. D'accord. Ouais. Donc, toujours quelque chose d'un petit peu acidulé, okay, pour donner aussi un peu de peps à l'assiette. On va utiliser aussi des épinards frais. Donc, on verra bien comment on se débrouille au fur et à mesure de la recette. Écoute, c'est un test. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne. D'accord.